Je pense qu'on va beaucoup mourir. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que c'est bon, vous voyez bien. Nickel, c'est parfait. Parfait. Et ben... Hop! J'espère que le chat, le ghost chat, va pas m'empêcher de lire. Ok, nous sommes un petit triangle. Ah, j'ai l'impression que je suis dans une prison, là. C'est fermé. Bien, regarde. J'aime trop quand la narration passe par des petits éléments comme ça. Oh là. Oh. Ok. Non. 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 Oh. Ok, il s'est passé un truc. Fin du jeu. La DA est trop cool, franchement j'aime bien. Alors. On active... Ah oui. Qu'est-ce que j'ai activé là? En tout cas, il y a eu une explosion qui a fait que les deux sont morts en fait. Ils sont là tous les deux. Je pense que ça c'était mon point de sauvegarde. Acquérir. Nous avons un objet. Amélioration. Les potions. Maintenez la touche potion pour vous soigner. Utilisation limitée, mais vous pouvez refaire le plein aux étincelles de lumière. Vos potions actuellement disponibles sont visibles dans le coin supérieur gauche. Ok. Et pour la potion, c'est X. Ok. Ok, potion, mais moi j'aimerais bien avoir une arme en fait. Les étincelles de lumière. Vous avez activé une étincelle. Vous pouvez maintenant vous reposer ici pour vous soigner intégralement, récupérer des potions, changer d'équipement, passer au niveau supérieur. Quand vous mourrez, vous serez réanimé à la dernière étincelle de lumière. Ah oui, on connaît ça. Chaque fois que vous vous reposez à une étincelle de lumière, les ennemis réapparaissent. Oh, ça on sait. Ça on connaît, hein. Bon, là, pas besoin de se reposer. Ah si, quand même. Est-ce que je peux me reposer? Ah oui, voilà. Ouais, j'ai bien fait de me reposer, en fait. Bon, là, c'est fermé. On est dans une prison, hein. La morale, c'est qu'il faut... buter et looter les potes triangles pour gagner des pouvoirs. C'est un peu ça, là. Hein. Oui. Ah, oula. Les bases du combat. Attaque normale, RB, foncez B. En combat, la précipitation est déconseillée. Attendez une ouverture pour frapper. Vous êtes invulnérable quand vous foncez. B, c'est pour foncer. Ok. Et RB pour attaquer. Votre endurance est limitée. Faites preuve de patience. Attaque puissante, faut maintenir RB. Ah, on peut verrouiller un ennemi aussi. Ok. C'est le tuto, hein. Pour le moment, le tuto, faut rien lâcher, quoi. Ok. Et foncer, j'ai pas testé de foncer encore. Ah oui. D'accord. Ah, une petite étincelle. Oh oui, l'étincelle de lumière. Les torches. Allumer des torches, c'est un très bon moyen de garder une trace des endroits déjà visités. Elles restent allumées indéfiniment et offrent également une petite quantité de souls. Description d'un souls-like. Oui, c'est vraiment ça. C'est complètement ça. Ok, on peut passer par là, mais qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Tiens, si je fonce un peu là. Ah oui, on revient ici, d'accord. Est-ce que je peux taper ce truc? Oui, je peux taper. Ok, là-bas, on peut pas aller. Allons par là. On se fait bully au tuto. Ah bah ça c'est clair. Hein. Mais je sens que je vais tellement mourir. Ok, il y en a un qui est là. Oh là, il y en a deux. Oh là. Ok. Putain, ça a pas l'air facile. Hein. Wow. Aïe. Aïe aïe aïe. Je crois qu'on est obligé de... On est obligé de se régénérer. Ou alors je prends une potion. Ok, j'ai une potion mais maintenant j'en ai zéro. Il va falloir faire gaffe hein. Ok, plusieurs chemins s'offrent à nous. Il y a une étincelle là-bas. Bien sûr qu'on va l'activer. Oh là, oh là, oh là, oh là, calme-toi.
Niveau supérieur disponible. Vous pouvez passer au niveau supérieur, retourner une étincelle de lumière que vous avez trouvée précédemment ou chercher-en une autre. Ah, il faut se reposer, on est obligé. Comment je fais déjà pour... Merde. Ah mais c'est pas une étincelle ça. Je crois que c'était juste une torche. Ah non, comment je fais pour me reposer? Attendez, je crois que j'avais trop le chat qui était en plein milieu. Le niveau supérieur d'un triangle, c'est quoi? Ah, les deux, c'est des torches. Ok, bon. Alors, attendez. L'étincelle, elle est tout en bas. Je suis obligée de retourner ici. Hein. Ok, on se repose. Hop là, niveau 2. On est passé au niveau supérieur. On peut utiliser les boutons pour modifier les caractéristiques. Mm-hmm. Donc vigueur, vitalité, force, dextérité. Après, vigueur, c'est bien d'en avoir beaucoup. Force, c'est bien. Dextérité, pff, ouais, après, si, quand même, ça permet d'aller... commencer équipement incomplet. Ah, j'en ai un que je peux ajouter. Qu'est-ce qu'on fait? Plutôt vigueur, plutôt force. Est-ce qu'on reste Bank Queen, comme d'habitude? Je crois que je m'ajoute en force. Hein. On va le laisser ici. Ok. Là, normalement, les ennemis sont revenus. Ouais. Oh là. Aïe! Putain, il m'a bien fait mal quand même. Hein. J'ai l'impression que je peux pas les parer. Pour le moment. Dommage. Alors là, il y en avait deux. Laisse-moi! Putain, j'ai que 5%. Je suis obligée d'utiliser ma potion. Hein. Tu n'es pas obligée de charger les coups, ça consomme de l'énergie. Oui, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Un triangle en slip. What? Alors, il m'a pas vu, là? Allez, viens. Voilà. Oh, pu. Ouh là là là. Voilà, en fait, c'est vrai que je peux juste le taper et m'enfuir. On a failli mourir au tuto, tout à fait. Je veux pas backseat, j'avais fait la démo du jeu. Le jeu est dur, mais très fun. Ah non, mais t'inquiète, merci. Merci Todzilar. J'avoue que c'est cool quand même d'avoir un petit... petit aide. Ah oui, lui, il est un peu violent, lui. Oh là là. Putain. On a plus de potions. On n'est pas méga bien. Est-ce que c'est une étincelle, s'il vous plaît? Oui, c'est une étincelle. Ok, ça au moins c'est bien, ça veut dire qu'on peut revenir là. Je crois que je suis pas obligée de me reposer pour que ça me ramène là quand je meurs. J'espère que non. C'est cool de voir de haut comme ça, hein. Ah, c'est une torche toujours? Mais non. J'arrive pas à voir la diff en fait entre les deux. Ici, il y a un truc, hein. Je peux pas accéder à ce truc. J'ai pas l'impression. Je pense pas qu'on puisse accéder à ça. Alors, oh là là, il y en a deux. Est-ce que je peux en attirer que un? Allez là, venez! Ah non, les deux, ils viennent en même temps, c'est la merde! C'est la merde! Oh là 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 là. Allez, c'est bon, on les a eus. Niveau supérieur dispo. Eh, franchement, peut-être que je vais me reposer, hein. On a l'impression qu'il y a... Oh là! Pourquoi il y a tout ça? Oh là 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 là. Je veux juste me reposer, en fait. Bon. Au moins, je suis niveau 3. Ça, c'est cool. Force encore. Hein. Moi, je mets tout en force pour le moment. Nickel. Ok, cette fois-ci, on va essayer d'être un peu plus prudent.
Y a pas de bouclier, donc c'est pas facile, mais... Ça, il est vénère, lui. Voilà. Ok. Ah, c'est vrai qu'ici, il y en a deux. Voilà. Oh, étourdi. Ah oui. On la stun. Ok. Voilà. Ah, il m'a quand même tapé en même temps. Ah, j'ai la haine. Je crois que là-bas, il y avait un truc intéressant, mais il y a beaucoup, beaucoup de monstres. Et ici, il y a quoi? Ah, putain, il a l'air vénère, lui aussi, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que peut-être on peut d'abord attirer lui? Oh, putain, il est énervé, lui aussi. On est obligé de se soigner. Ok, on est obligé, hein. J'ai l'impression qu'il y a des objets au fond, là. Il y a un... Ah non, il y en a deux quand même. Hein. Aïe! Putain. Ouf. Oh, c'était moins une. J'espère qu'il y a des potions au fond, s'il vous plaît, quoi. Par pitié, j'espère qu'il y a des potions. Ah non, il y en a encore un. Mais sérieux? J'ai eu un... Comment on dit, un... Maintenez la touche. Foncez pour sprinter. Ah. Ok. Bon, on est toujours niveau 3 de toute façon. Je sais plus ce que je voulais dire. Y a pas de strat bouclier, alors c'est un peu... Peut-être qu'on n'est pas assez, assez prudent. Oh putain. Oh, d'habitude, j'en attaque un. Oula. Ok, c'est bon. L'endurance, c'est pas mal quand même. Hein. C'est vrai qu'il faudrait qu'on ait un peu plus d'endurance. Hein. Ça, c'est quoi, ça? Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah! Ah, j'ai un nouveau supérieur dispo. Ah, c'est mon cadavre! Ah, oui, d'accord. En effet. Est-ce que j'essaye quand même d'avoir ça? Sachant qu'il y a plein de monstres, ici. Bon, allez, on essaye. Hein. Tu viens pas? Oh là. En fait, ils ont une giga allonge, c'est ça qui est compliqué aussi. Ouf. Ok. Ensuite. Putain, mais c'est quand il y en a deux, c'est compliqué quand même. Hein. Oh là! Oh putain! Oh là, il faut prendre un... Oh putain! Ah! On peut taper plusieurs fois, en fait. J'ai l'impression que c'est mieux de taper plusieurs fois. Est-ce que je crois qu'il y en a encore un dernier qui m'attend? Faut être prudente. Ah non, c'est bon. Ah, nickel. Alors... Hop, une torche. C'est quoi ça? Oh, il y a du loot! Nouvel objet, dague de lancer. Vous avez trouvé un équipement secondaire, vous devez vous rendre visite à une étincelle pour l'équiper. Ok, on verra plus tard ça. Utiliser l'équipement secondaire, c'est LB. Ok. Et ça? Nouvelle dague.
Évidemment qu'on casse tout. C'est complètement évident, bien sûr. Salut Ferdibi, comment ça va? Incroyable. Ferdibi qui passe sur le stream. Écoute, on est en plein Souls-like. Comme tu peux le voir, mais Souls-like minimaliste. Comment tu vas? Alors, est-ce que là-bas, il y a des trucs intéressants ou pas? Est-ce que ça vaut le coup que je risque ma vie? Putain. Mais ils m'ont... Je les ai même pas vus me taper. Oh putain. Ok, j'espère qu'il y a... Il y a quoi? Déverrouillé. Ah, ça c'est intéressant par contre. Est-ce que c'est une étincelle? Ce serait bien. Bureau de la sécurité. Mais oui, mais où sont les étincelles? Moi j'ai besoin d'une étincelle, par pitié. Hein. Ça a changé Elden Ring. C'est vrai. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une étincelle, c'est bon. Un petit objet. Carte de la prison. Ah, bah ça fait plaisir aussi. Hein. Ok, on a la carte. Ok. Très bien. Il n'y avait pas un mur vide dans le bas, il y avait un truc multicolore qui clignotait. Mais oui, je sais, mais j'ai pas réussi à y accéder. Mais attends, je vais réessayer. Je vais juste prendre l'étincelle. Enfin, ceci dit, je dis ça et peut-être vaut mieux profiter du fait que pour le moment, il n'y ait pas de monstre. En fait, il y a des trucs sur les côtés pour le moment, mais je crois qu'on peut pas y aller pour... Parce que tu vois, voilà, là, c'est un mur. Hein. Non, je peux pas y aller, en fait. Ah! En fait, on peut casser les murs, ok. Bouclier! Quoi? Comment ça, on a un bouclier? Waouh! Alors, comment je peux casser un mur, du coup? Ah, le mur où il n'y avait pas de bordure, bah oui. Et là, il y en a. Donc là, je peux pas. Vous pouvez déjà imaginer le personnage en slip. Bon, on se repose. On passe au niveau supérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On a un cristal. Peut-être je vais le mettre en vigueur. Hein. Et l'équipement? Arme principale, arme secondaire. Qu'est-ce que je peux mettre? Peut-être mon bouclier, c'est pas mal. Hein. Appuyez rapidement pour parer. Une parade réussie remplira toute l'endurance et étourdira les ennemis. Ça, c'est bien ça quand même. Hein. Artefact. Qu'est-ce qu'on a? Et relique, on a rien. Parce que sinon, c'est des dagues de lancer. Non, mais c'est bon. Hein. Je mets un petit bouclier, c'est pas mal, ça. On va essayer de faire des parades. Trop bien, les murs secrets. Mais oui! Ok, le bouclier, c'est ça. Alors, là-bas, il y a un passage, mais il y a également un passage ici. Ah, mais ça raccourcit, ça. Ah non, faut juste déverrouiller comme ça. Ah oui, tout simplement. Putain, ça c'est pas mal, on a déverrouillé le raccourci. T'as une autre arme Oula. Tu as une autre arme principale. Ah bon? Elle est où mon autre arme principale? Plus. Ah! Épée et dague. Ah ok. Mais comment j'utilise la dague par contre? Courte portée. Cette arme peut frapper avec des balayages. Ah ça j'aime bien. Pour le moment on a l'épée nous. Bon, on a deux armes, mais je sais pas comment les utiliser pour le moment. Alors. Tu peux équiper soit l'une, soit l'autre. Ah, d'accord. Ok, là, il y a un méchant. Et là-bas, on a quoi? Après, c'est vrai que je peux regarder la carte. Bloc de cellules. Et là-haut, il y a d'autres blocs de cellules. Peut-être qu'on va d'abord aller en haut. Et ensuite on verra. Oh putain, il est vénère lui. Quoi? Youhou! Merde, j'avais complètement zappé qu'il y aurait d'autres monstres.
Putain, j'ai plus d'endurance. Aïe! Non! J'ai même pas utilisé le bouclier. Faut penser à utiliser le bouclier quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'allais où? Ah oui. Par là. En fait, il faut vraiment que je reste dans ce coin. Oh! Pourtant, j'ai réussi une fois à parer. Oh, il est étourdi. Ok. Bon, c'est quand même pas incroyable, hein. Parce que j'ai plus que 1% de vie. Ah ouais, petite panique, hein. C'est comme le panic roll, un peu. Non, mais lui, il est vénère aussi, là. Est-ce que je peux pas essayer de l'éviter, cette histoire-là? Non, je peux pas, hein. Putain! J'ai quand même bien perdu de la vie dans l'histoire. Ici, je peux pas accéder encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, il y a un giga mec en armure. Ici, il y a quoi? Oh, dis donc. Oh. C'est trop bien de pouvoir les stun. On allume. Là, il y a un objet. C'est quoi? Relique de force. Ça, c'est bien, ça. Ah, trop bien, ça. On va pouvoir l'équiper après. J'ai l'impression qu'ici, je peux pas casser ce mur. Hein. Je ne peux pas. Ici, non plus. En fait, ça, c'est des cellules, je pense. Salle des archives. Ah non, c'est salle des archives. Oh, putain. Hop là. Ok. Qu'est-ce qu'on a par ici? J'ai plus de potions, ça m'embête. Sanitaire. Ah tiens. Ah, ici il y a un truc à ouvrir. Ah non, c'est verrouillé. Clé de prison. Merde. Bon bah, ça va être compliqué parce que là-bas c'est le giga garde. Est-ce que j'ai le choix en même temps? Oh, il y en a deux. Non, on était si bien. Je vais mettre la relique de force. Voilà. Plus un vigueur, plus un force. Putain, c'est bien ça. Attendez, il y avait quoi d'autre? Non, c'est bon, j'ai tout mis. Hein. Ok. Par contre, j'utilise jamais le bouclier, là, ça va pas du tout. Et il fallait qu'on aille par où, du coup? Là-haut, je crois que j'ai tout fait. Est-ce que j'ai vraiment tout fait? Attendez, la carte, bloc de cellules, on est où? Sanitaire, on l'a fait. Bah non, mais en vrai, je vais juste aller par là, hein. Après, ceci dit, il y avait un truc là-haut, mais bon. Oh, dis donc! C'est un archer. Merde. Il m'a touché quand même. Ah, quelqu'un est enfermé. Là, on peut déverrouiller ici. Là, il y a un garde. Let's go, le triangle isocèle. En bas, il y a quoi, là? On va essayer de voir ce que c'est. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ah yes. Putain, j'ai pas vu que c'était un mur. Ouh là là. Ouh là là, c'est chaud. Pourtant, on a encore plus de force qu'avant, quoi. Ouais, mais la taille de son épée, on est d'accord, hein.
C'était pas normal cette histoire-là. En même temps, il y avait l'air d'y avoir des objets intéressants, quoi. Je suis un peu obligée quand même. Oh, disons, il a une... Oh, pourquoi il y en a deux, là? Attendez, mais... Ah non, mais pourquoi ils sont deux, là, comme ça? Voilà. Ah, laisse-moi passer. En fait, plus je pars. Merde. Putain, j'ai failli ne pas me faire toucher. Et malheureusement, si. Tiens, ici on ouvrait toutes les cellules. Mais oui, mais il y a des objets de ouf dedans. C'est sûr. Je le sais. Genre ça. C'est pour ça que je voulais avoir cet objet-là. Est-ce que ça vaut le coup? Grand arc. Ah bah tiens, c'est pas mal quand même. Attaque à distance. Là, c'est mes sols que j'ai perdus. Et là, j'imagine, c'est pour déverrouiller ici. Et qu'on puisse repasser là-bas. Ok. Technique ultime reculée. Bah oui, hein. C'est ma technique, en tout cas. Le recul. Alors. Qu'est-ce qu'on a par là? Ok, là, il y a une torche. L'armurerie. Alors, l'armurerie, vous allez pas me dire qu'il n'y a pas plein d'armes. Ah, peut-être qu'il faut que j'aille plutôt par en bas. Ah non, c'est pareil. Ok. Putain, mais le moment où il y aura un boss, par contre, ça va être compliqué. Hein. Ah, d'ailleurs, bah là, je crois qu'il y en a un. J'en ai vu passer un, non? C'est quoi mon objet? Clé de la prison. Est-ce que ce serait pas, du coup, est-ce que ça ouvrirait pas le truc que j'ai vu là-haut, là? Mais comment savoir où c'était? Est-ce que je vais pas me perdre? Et est-ce que là-bas... Trop de questions. Trop de questions. Ah oui, c'est une cam en fait. Oh là 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 là, d'accord, c'est des gardiens avec des cams. Putain, c'est malin aussi ça. Comment faire pour qu'il me voit pas? Il est juste là. Merde, il est passé à côté, j'ai pas pu le taper. Oh. Ah non. Putain, c'est très flippant. Oh, mais ils sont tous après moi, mais je vais tellement mourir. Merde, là-bas, il n'y a pas de... Oh là là là, oh là, oh là. Oh putain, je vais tellement mourir. Vous savez quoi? Je vais me reposer là, voilà. C'était trop la merde, je pouvais pas. Peut-être que je peux équiper en seconde arme. Non, je peux pas. Arme secondaire. Ah non, c'est soit le bouclier, soit rien, en fait. Parce qu'en même temps, l'arc, c'est vrai que c'est intéressant. Le bouclier, j'ai l'impression que je l'utilise pas. Peut-être qu'on va essayer l'arc pour voir. Ouais, au moins j'ai une arme à distance, c'est quand même pas mal. Est-ce que j'ai quand même ma clé de prison? J'imagine que oui. Ah, j'ai que 3 flèches sur 4. Merde, j'en ai perdu une. Putain, en plus ça fait pas grand chose. Ah, j'ai une dague cette fois-ci. C'est pas mal parce qu'elle est plus rapide, la dingue. La dague est plus rapide. Est-ce que c'est peut-être pas plus mal? Putain, je suis en train de refaire
tous les trucs que j'avais déjà fait, moi. Putain. L'endurance, c'est pas évident. Merde. En fait, il faut le stun, mais... L'endurance, c'est pas évident, évident. Je trouve le héros charismatique. De fou. Est-ce que c'était pas Roux déjà qui avait la porte verrouillée que je pouvais pas voir? Est-ce que c'est pas au fond là-bas? Si, voilà, il y a une porte verrouillée tout en haut à gauche. Mais du coup, faut se faire tous les mecs là. Que faire? Ils vont tous venir me voir là, non? Ah putain. Oh, oh. Putain. Non mais là on va mourir. Ah, on va tellement mourir. Bon, moi j'ai ouvert la porte. Oh putain. Ah là 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 là. On continue. J'ai rien à équiper, j'ai rien gagné. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait un passage secret qui s'est libéré. Après, j'ai l'impression que... Vous savez quoi, je vais quand même prendre la grosse épée parce qu'elle tape plus fort quand même, hein, que la dague. On continue à prendre la grosse épée. Et puis on va quand même aller tout en haut. Oui, c'est par là. Alors déjà, il y a lui qui est très relou. En plus, là, pour le coup, on est vraiment... On est obligé de les battre, quoi. Putain. Le bouclier semble mieux aussi, donne plus 10 de défense. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal aussi, le bouclier. Je verrai après si je le remets ou pas. Alors, passage secret, en effet, là-bas. Bon, de toute façon, ils viennent, quoi qu'il arrive. Putain, mais non! C'est pas possible de mourir comme ça! Non! Je pense qu'on va se remettre le bouclier. Ah, le lancer de dague aussi. Non, mais pour le moment, on se met le bouclier. Faut juste pas oublier de l'utiliser, quoi. Tiens, là-bas, il y a mes souls. Alors, tu fais quoi? Ah. Utiliser le bouclier, comme vous avez vu, c'est très efficace. Ça n'a pas marché du tout. Je vais utiliser la potion. Ok. Pourquoi j'ai pas réussi à utiliser le bouclier? Je pense que, comme j'ai pas beaucoup d'endurance, j'ai trop spammé la touche, à mon avis. Ah, c'est bien, là, il y en a qu'un qui vient. Quand même fait taper. En fait, il me faut vraiment plus d'endurance. Hein. Ah ouais, ça marche super bien, le bouclier. Hein. Au top. Allez! Oh, j'aime pas quand ils sont deux. Elles sont où, les roulades, là? J'avoue. Où sont mes roulades? Putain! On ne fait que mourir. Ah ! Putain. Putain. On se débrouille extrêmement mal. Hein. La vraie expérience Souls. Ah bah oui, là, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Là, nous n'avons pas le choix. Alors, vas-y, viens. Voilà.
Ok. Un de moins. Bouclier cendre. Où est l'autre? Allez, viens. Ah, c'est bien, là. Ils sont un par un. Ça me va, ça. Voilà. Allez, venez donc un par un. Ça me va très bien. Allez. En fait, eux, ils sont plutôt faciles à esquiver quand ils sont pas nombreux. Ok. Donc ça, c'est bon. On a récupéré. Sanitaire. Ah oui, ça, c'est juste la torche. Ici. Oh, putain. Ok. Bah, mon gars. Pourquoi tu te défends pas? Ah si, il se défend. Merde. C'est quoi là-bas? Ah, un coffre. Nouvel objet. Un marteau de guerre. Moi, j'aime bien les marteaux. Ça tape. J'aime bien. Et là, c'était... Oh putain! Mais on va jamais y arriver? Oh là! Oh putain, en plus, c'en est un qui est comme ça, là. Ok, on l'a eu. Si je pouvais juste les avoir un par un, ce serait trop bien. Allez! Allez, viens donc. Ouf. Ouf, ouf. Allez, viens. Ah putain. Tout ça par manque d'endurance. Bon, on a quand même réussi. Soyons attentifs. Ah, une porte à déverrouiller, une lumière. Ok. Et une étincelle. Trop bien. Oh, une étincelle, un coffre. Bon, ça, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Carte de la prison B. Trop bien. On active l'étincelle, peut-être même que... Bah de toute façon on est obligé de se reposer. Hein. On est complètement obligé, niveau 5. Vigueur ou force? Force. On va essayer d'équiper le marteau pour voir ce que ça fait. Marteau de guerre. Le loot, ça fait plaisir. Hein. Ah oui! Bon, il est pas rapide. On va voir. Putain, on ouvre la gigaporte. Waouh! On va où, là? Et du coup, tout là-bas, je suis pas vraiment allée, en fait, après l'armurerie. Oh, peut-être dans l'armurerie, il y avait des... Ah ouais, en fait, il y avait des coffres que j'ai pas ouverts. En fait, il y avait des coffres que j'ai pas ouverts. Là, il y a un passage. Le gardien, c'est sûr, c'est un boss. Oula! Bon, je les laisse s'entretuer. Mais what? Ils sont pas morts, là? Ah! Ok. Y'en a un autre encore ou pas? Putain, génial, on les a laissés s'entretuer, c'est tellement la meilleure option. Fiole de rubis. Oh, fiole de rubis. Donc c'est bien parce que la carte nous indique aussi... bah là où il y a des trucs qu'on n'a pas récupérés, mais est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas? Par exemple, dans bloc de cellules. Je sais pas si ça vaut le coup, vu que là tous les monstres sont revenus. Putain. Oh putain, ça marche bien le marteau là!
Ok, là je retrouve les sensations de Bonk Queen là. Ok. Bon, par contre, s'ils sont deux, c'est chaud. Ça marche sur les deux, c'est. Oh, c'est exceptionnel! Est-ce que c'est pas la meilleure arme, finalement? Je sais pas, je posais la question, hein. Là, c'est une super arme quand même, hein. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'aurais dû profiter qu'il soit évanoui. Bon, c'est pas grave. Aïe! Putain, j'ai plus l'habitude, hein. Oh, mais l'arme, elle est géniale, hein. Une arme subtile, bien sûr, comme d'habitude. Alors, pour trouver l'objet qu'on n'a pas pris encore, c'est là-bas. Ah oui, tiens, d'ailleurs, il y a un truc à ouvrir. Ah oui, ok, parce qu'il y a deux... Il y a deux zigotos, là. Non, mais c'est génial! Oh! Sans charger, ça fait ça. Voilà. C'est bien aussi, hein. Mais on aime bien quand ça tape, quoi. Oh, dis donc! Aïe. Bon, on les a pulvérisés quand même. Donc l'objet qui reste, il est en effet là. Oh putain. Aïe. Putain, merde. Ça, ça va pas du tout par contre. Qu'est-ce qu'on a fait quoi? Artefact. C'est quoi la fiole de rubis? 24 ennemis ou étourdir des boss lorsque vous n'avez pas de potion régénérera une potion. Mais c'est génial! Oui, j'avoue, j'ai un peu trop gridé là. Bon. En plus, on n'a même pas récupéré l'objet. Ça vaut le coup quand même d'y aller. Hein. Je vais essayer quand même. C'est ici. Oui. Que lui il balance des flèches. Ok. Ok, là on parle. Là on peut parler. Qu'est-ce que tu fais? En fait, par contre, ça me retire vraiment. Ça me retire vraiment toute mon endurance. Ça par contre. Alors. On est où là? Ah oui. Ici, on va passer là. Et c'est là, voilà, c'est là que c'est un peu chiant parce qu'il y a les deux gardes. C'est ça le problème en fait, c'est que ça a vraiment. En fait, le problème, c'est que ça me retire toute mon endurance, le marteau. Donc c'est un peu à double tranchant, mais ça reste quand même bien. Hein. Oh, putain. Faut pas que j'oublie de me soigner, en fait, aussi. Je sais pas pourquoi il veut absolument détruire ce truc. Il veut d'abord détruire ce truc. Ah, c'est ça le problème. Ok, là, on est obligé de prendre notre potion.
je vais peut-être abandonner le fait d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Hein. C'est là qu'on était morte. Mais c'est ça qui... En fait, c'est insup parce que le marteau, une fois qu'on a utilisé la charge, on peut vraiment pas... Bon, je crois que je vais pas prendre les objets du haut. Ou alors je réessaye une dernière fois. Mais franchement, peut-être que j'ai pas la patience de prendre les objets d'en haut. Bon, allez, on réessaye une dernière fois. Y a pas un raccourci, genre? Mais non, mais ça va être pareil. Passer plutôt par le bureau de sécurité là, ici. Par là, par là. Voilà, en fait, c'est vraiment impossible d'éviter. Oui, bon, c'est quand même mieux. Est-ce que je me reposerai pas ici? Comme ça, je reviens là et je peux aller direct taper les gardiens là. Avec full vie. Ça, c'est bien. Ah, mais du coup, j'ai... Non, j'ai oublié. En fait, là-haut, il y a le bloc. Et oui. Ah, putain, du coup, faut repasser là. C'est un peu chiant quand même. Pas obligé de les taper eux, je peux aller direct là-bas. Oui. Alors, bon. C'est impossible à éviter. J'aurais dû me soigner, je sais pas pourquoi je me suis pas soignée, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. C'était bien pourtant là. Hein. On recommence. Hein. Déjà, on fait lui. Non mais c'est là où c'est... En fait, c'est impossible d'éviter quoi que ce soit quand on a fait la charge. C'est vraiment pas possible en fait. Alors, putain, là, je suis bien morte, bien au milieu. Ah, là, c'est pas mal, parce que s'il y en a qu'un seul... Je vais péter un câble. On va péter un câble. Ah! Putain. Et peut-être le bouclier. Putain, j'ai pas pensé à utiliser le bouclier, en fait. Bon, là, on va mourir, hein. Il me reste très peu de vie. Mais c'est vrai que le bouclier, peut-être c'est le seul truc qui pourrait m'aider. Hop. Ouf. Putain, c'était moins une. Ok, alors. On prend les soldes. Le problème, c'est qu'on n'a pas de vie, là. Donc là, si je tombe sur un truc, je suis foutue. Et je sais qu'il y en a d'autres, malheureusement. Genre là, il y en a un. Putain, on n'a pas allumé ici. En fait, ici, il y a plein de choses qu'on n'a pas déverrouillées. Notamment ce passage, par exemple. Putain, qui aurait été très pratique, ça. Eh oui, c'est pas mal, en fait, ici. Peut-être que je vais me soigner. Hein. Tant pis, je vais devoir les réaffronter. Ou pas. Putain, je sais pas. Là, si je vais tout droit, c'est pas bon. Non, faut vraiment aller là. Hein. Ouais, là, il y a un truc.
Ça fait plaisir, ça. Ça fait extrêmement plaisir. Ah tiens, j'ai une potion. Putain, ça c'est bien, c'est grâce à ma relique. Et bah voilà. Oh. J'ai parlé trop vite. Ok, c'est bien ça les one shot. Qu'est-ce que c'est l'objet? On a fait tout ça pour ça. Ah, nombre de potions max qui a augmenté. Et franchement, ça valait le coup. Franchement, ça valait grave le coup. Et je pense que maintenant, on va aller dans l'armurerie. Putain, j'ai bien fait. J'ai trop bien fait. Et maintenant, l'armurerie, c'est ouf. Ah oui, c'est ce long couloir ici. Nickel. Et là, par contre, très chiant. Très, très chiant. Il y a plein de trucs. J'aille à lui. Voilà. Bon, lui, on va pas le... pas obligé de le faire. S'il nous attaque pas, on l'attaque pas. Et là, très, très relou également. Alors, l'armurerie. Donc là, on sait qu'il y a des objets tout au bout qui ont l'air plutôt pas mal. J'aimerais bien les récupérer. J'aimerais beaucoup les looter. Sauf que si on déclenche l'alarme, il y a tout qui arrive. Donc ça doit être des objets, mais giga, giga précieux, quoi. Comment est-ce que je peux sauter sur les gardiens sans qu'ils me voient? Faudrait que je me mette dans ce coin et que j'attende qu'il y en ait un qui arrive. J'observe son mouvement. Merde. Merde. Ça a pas du tout marché. Alors, il faudrait que je me prépare. Ici, genre comme ça, quand lui, il passe, je le tape, quoi. Soit c'est giga précieux, soit le jeu te troll. C'est complètement possible. Allez, viens donc. Putain, c'est le moment. C'est le moment. Merde. Immunisé ? Ah, d'accord. Ah putain, c'est pire que ce que je croyais, en fait. Ah oui, on va se cacher derrière la caisse, en fait. Vous avez raison. Oh là 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 là. Oh, merde. Putain, je voulais quand même prendre l'objet. Ah non, mais je peux pas, je peux pas. Ah, je peux pas. Comment j'ai paniqué. Ah oui, on est bien bien mort là. Hein. C'est bien, maintenant j'ai deux potions. Mais par contre, c'est quand même la merde. Hein. C'est tout droit là-bas. Putain, c'est giga vénère ça. Hein. C'est une pièce puzzle, ouais. C'est ça. Hop là. Ah ouais, on n'a pas du tout réussi. Hein. Peut-être que la prochaine fois, on se met un peu plus d'endurance là dans les points parce que l'endurance, c'est pas facile. Là. Putain, c'est chaud. Hein. Comment savoir où aller, quoi? En fait, peut-être qu'il faut faire comme ça. À un moment, faut se mettre genre comme ça. Oh putain. Merde. Relique d'agilité. Oh putain, j'ai réussi. Attendez, il en manque une. Ah oui, tout en bas, il y en a encore une.
Olé. Oh putain, on est presque. Relique du colosse. Putain, on a réussi. Oh, oh, je suis refaite. Je suis refaite, mais alors vraiment. Merci pour les GG, je suis absolument refaite. Par contre, c'était où? Ah oui. Eh bah franchement, on est bien là. Et là, bah du coup, maintenant, on va repasser par là-haut, entrée de l'hôtel. Ah bah non, il y a un petit passage secret. Eh bah nickel. On se repose, je regarde ça fait quoi les reliques. Allez, niveau 6. Je pense qu'on va se mettre un peu de... C'est quoi, c'est vitalité? On va se mettre un peu de vitalité. Hein. Dextérité, je vois pas à quoi ça sert pour le moment. Alors, c'est quoi nos reliques? Ah non, c'est pas ça. Reliques. Alors, reliques de force qui augmente protection, vigueur et force. Agilité offre la protection et une augmentation de vitalité. Reliques qui offrent une bonne protection au léger détriment de la vitalité. Plus 15% de défense, plus 10% de défense et 5 de défense. Mais bon, celui-là, il augmente la vigueur et la force. Franchement, je vais laisser la relique de force pour le moment. On va passer par là. Ici. C'est bien ça, c'est tout à fait ça. Et on va... J'ai fait cette salle là-haut ? Oui, on a fait déjà. Hein. On va se reposer là. Ok. Putain, c'est prenant, hein. Franchement, c'est trop bien. Le gardien de la prison, ça s'appelle. Donc là, c'est peut-être un boss. Je suis pas prête, moi. Oh là, c'est quoi, ça? Comment j'ai fui, direct. Qu'est-ce que c'est? C'est des torches qui s'allument quand j'arrive? Oh non, c'est un boss. C'est 100% un boss. Déjà, là, il y en a un sur le côté qui va s'ouvrir. J'aime pas trop, là, ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh, j'ai eu la peur. Oh, putain. Retire de la vie ou pas là? Oh putain! Oh! Oh putain, ça l'a bien étourdi, hein! Oh calme-toi! Calme-toi en fait! Loin, merde. Ah! Non, mais là, c'est impossible, c'est à ce truc-là. Oh! Ah, ouais, le gardien, il a un choix de boucher, quoi. Bon, on l'a mis mid-life. Le jeu triche aussi. Ah bah ça, c'est clair. Hein. Franchement, là, tous les persos qui arrivent, c'est pas sympa, ça. Hein. Bon, au moins, on l'a mis mid-life, mais bon. Oh!
merde! Oh mais c'est vraiment mort, oblitéré, annihilé! Oh, perso, je reste en prison. Non mais j'avoue. Non mais franchement, vaut mieux rester en prison en fait, hein. En fait, le pire, c'est quand il y a les... Quand les autres arrivent, je vois mal comment on peut s'en sortir. Mais bon. Peut-être que quand il est étourdi, faut juste que je tape et faut pas que je charge l'arme. Bon. C'est pas facile, hein. Ça va pas être évident, cette histoire, hein. En plus, il est bien vénère, le gars. Combien tu fais de dégâts sans charger? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Ah ouais, le jeu, il est en train de me dire « Chais !» Franchement, challenge, hein. Ça va être chaud quand même de l'avoir, lui, hein. Bon, déjà, il faut arriver à s'éloigner quand il tape. J'essaie de pas être greedy cette fois-ci. En fait, c'est pas mal de taper derrière un pylône. Voilà. Ah merde! Mauvais moment que j'ai choisi là. Et c'est fou. Non mais là, c'est là où on est foutu en fait, hein. Attends, y a pas des objets là quelque part? Totalement une sorte de Dark Souls en polygone, Renek. Complètement. On était bien là pourtant, non? Là on était pas mal, hein. T'as une barre blanche de stun qui se remplit une fois pleine, le boss est étourdi, la barre devient bleue et se vide rapidement. Ok. Là on était bien, hein. Non mais il faut que... Peut-être il faut que j'arrive à mieux utiliser le bouclier, il faut que j'arrive à partir plus vite. Et en vrai, ça peut être cool, hein. Ah, mais putain, mais pourquoi j'ai pas réussi, là, à me... Oh voilà. Putain, là, on se fait défoncer. Oh bon, là ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Bon, je me laisse mourir parce que là ça n'allait pas du tout quoi. Si tu tues les 4, ça donne une potion quand t'en as plus. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Ça c'est bien ça. Bon, on essaie de se concentrer. Challenge.
par les hachoirs, quoi. Ah là 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 là. Putain, là ça va pas du tout, on était bien parti. Et en fait... Merde. En fait, je devrais pas charger mon arme avec eux. Parce que ils sont trop rapides et je peux les avoir sans charger, quoi. Et en effet, grâce à eux, je peux avoir une potion supplémentaire. Bon allez, cette fois-ci, c'est la bonne, je le sais. Je le sais. C'est la bonne. J'en suis sûre. Concentrons-nous. Merde. Oh. J'avais pas capté qui... Ah merde, déjà il y a des câbles là. Ah oui. Ah non, il y a pas les câbles. Putain, j'ai pas capté que... Ah merde, y'a les quatre. Aïe. Oh les salopios, putain. En fait, y'a trop de choses à s'occuper, en fait. Attends, lui aussi m'envoie des trucs. Mais venez là! Allez, venez! Merde! Putain, faut pas que je. Oh, faut tellement pas que je m'approche de lui! Oh là 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 là! Là, j'ai plus de potions, j'ai plus rien! C'est vénère! On va mourir! On va mourir! Ah là 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 là! C'est terrible! Ok, on se concentre! On va y arriver, hein. C'est terrible. Ok. Putain, c'est un vrai Souls, hein. Oh là 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 là. C'est pas Elden Ring, hein. Ok. Où le boucher là? Allez là, on a compris que t'avais des gros hachoirs. Je crois que c'est pas mal de se mettre un peu avec le poteau là. Oh merde. Oh putain. Oh là là, qu'est-ce qu'on a perdu bêtement, toute cette vie bêtement. Bon.
ça va plus du tout, on a perdu le mojo. On a tout perdu. J'essaie quand même de faire le bouclier. Putain, non mais là on a vraiment perdu trop de vie. C'est un peu bête. C'est un peu bête là. Inspire, expire, pense au bureau. Super, notre vie. Et bientôt finito. Bien sûr. Bien sûr. On était bien parti pourtant. Pas le choix, en plus faut le taper. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire? J'aurais dû le taper. Ouais, peut-être qu'on va voir après s'il y a d'autres trucs à loot parce que là, je suis pas sûre que. Putain, pourquoi j'ai pas. Pourquoi je me suis pas soignée? Je ne sais pas. Eh ben on est foutu, hein. On est tellement foutu. Mort oblitérée, annihilée. Ok. Et eh ben alors, est-ce qu'il y a des trucs à loot? Dites-moi oui, par pitié. Non, je pense qu'on a tout loot. Hein. Bah non, regardez, il y a tout. Hein. Bloc de cellules. Non, non, il y a tout. On a tout looté. Après, il y a le truc bleu là, je sais pas ce que c'est. Mais je pense que de toute façon, c'est un endroit qu'on a vu. Hein. On a tout vu. Hein. Non, mais faut juste mieux jouer, quoi. Faut peut-être apprendre à utiliser mieux le bouclier, aussi. Tout simplement, hein. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne, je le sens. Faut farm. Bah, peut-être que... Faut s'entraîner sur les trucs, mais c'est tout, hein. Ah oui, faut peut-être farmer, vous avez raison, en mode... En mode faut récupérer des niveaux. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison en fait. Parce que je peux quand même récupérer des niveaux. Parce que là, je lui enlève pas assez de vie, je pense. Hein. Bon, on va se laisser tuer, on va farmer. Regardez, 10 cm de vie. Allez, vas-y. Voilà, bon. On va farmer. Très bonne idée. Putain, j'y ai même pas pensé. Farmons un petit peu. Parce que là, il nous faut du niveau, là. Hein. Là, ça va pas du tout. Hein.
tous les deux étoilés. Ouais, parce que franchement, sinon on est bien. Hein. À coller son nez, tu esquives? Non, je pense pas. Hein. Franchement, non. Non, mais le farming, c'est une bonne idée en tout cas. Ah, ce marteau, franchement, c'est le meilleur. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Ah oui, là, on peut rien faire ici. Ouais, par contre, il prend beaucoup d'endurance, c'est sûr, mais ça reste quand même un bon truc. Hein. Salut Félix, bienvenue. On est en train de faire un jeu Souls-like qui s'appelle Void Souls. D'ailleurs, n'hésitez pas à, en attendant, pendant que je galère, n'hésitez pas à cliquer sur le panel dans ma bio pour le lien du jeu et également avec la commande Void Souls. Vous pouvez également cliquer pour voir le jeu sur Steam. Mais sachez qu'aussi à la fin de la session de Steam, je vous ferai gagner 10 clés. D'ailleurs, à voir si je vous fais gagner 10 clés ou bien... Ouais, il y a une démo. Si je fais gagner 10 clés ici et peut-être 10 clés sur Twitter, faut voir. Vas-y, approche-toi là. Ah oui, lui, il va tout faire pour s'éloigner. D'ici si, je pense. non, pardon, d'ici si, 10 sur Twitter, j'ai dit. Non, je voulais dire 5 ici, 5 sur Twitter. Non, j'ai pas 20 clés. J'ai 10 clés, ce qui est déjà beaucoup, hein. 10 clés, c'est déjà pas mal du tout. Mais peut-être que je ferai gagner aussi un peu sur Twitter, c'est peut-être une bonne idée, tiens. 5 ici, 5 sur Twitter, vu qu'il y en a beaucoup quand même. Bon, est-ce que ça farme bien, là? Est-ce que Twitter est encore un endroit fréquentable? Je vous vois prêcher pour votre paroisse, là. Voilà, je suis en train de me faire tous les petits de la map, là. C'est pas mal. Que c'est giga efficace le marteau. Hein. Oui, c'est des clés PC. La dernière fois, t'avais gagné pour PlayStation, t'as jamais pu l'utiliser. Ah non, c'est dommage! Ah bah, hésite pas à la donner la clé hein, si t'as pas pu l'utiliser. Oui, ce sera cette fois-ci sur PC, c'est des clés Steam. Twitter est maître du monde. Ah là là là, c'est ce que j'ai fait. Ok, trop bien. Oui, comme ça, quelqu'un peut en profiter. On farme. Putain, comment je l'ai... Wallé. Allez, hop. Super. Ah, ok. C'est juste que les faire gagner sur Twitter, c'est un peu soutenir Musk. Oh! Bah, vous savez, moi, souvent, je suis obligée de faire des trucs sur Twitter. Hein. J'ai pas trop le choix. Hein. Parfois même, ça fait partie des deals hein, de collab. Donc, bon, j'ai pas toujours le choix. Hop! Viens là, toi. Attends. Ah oui, c'est vrai qu'il tire de loin, oui. Hop là. Ok. C'est une vanne. Sur Blue Sky. C'est vrai que je suis sur Blue Sky aussi. C'est vrai que je pourrais. Bon, est-ce que je récupère quand même mes... Est-ce que je récupère des choses là quand même? J'espère hein.
X, vous voulez dire... Moi, j'ai jamais dit X. Je trouve que dire X, c'est faire le jeu de l'autre débile, là. Je ne veux... Je refuse même de dire X. Allez, les autres, venez. Je devrais m'entraîner aussi au bouclier. Ça, c'est quoi ça? Ah oui. Ah voilà, les petits sols perdus. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Faut farmer un petit peu. Tiens, par contre, eux, ils m'avaient grave saoulé. Je sais pas si je vais y arriver. On s'enfuit un peu. Olé! Hop là, ils m'ont bien eu. Ok, c'est bon. Ça augmente pas beaucoup, hein, ma jauge. Ben oui, Musk deadname sa propre fille, en effet. Je vois pas pourquoi on deadnamerait pas son réseau de cons, c'est vrai. Putain, j'avoue. C'est vrai qu'on deadname Twitter, en fait. Bien fait. Est-ce qu'on se repose ou pas? Comme ça, de toute façon, ça a l'air fait popper, de toute manière. Ça peut pas être mauvais. Bon, franchement, un petit niveau 7, là, ce serait pas de refus. Ah, en fait, ça aussi, ça nous apporte un peu des points. Non? Oh non, pas du tout. C'est pas vraiment les mêmes points. Ah là, dis donc. Aïe! Hop là. En fait, je préfère quand même le marteau. Je crois que malgré tout, le marteau, c'est quand même génial. Allez, viens là, toi. Le seul problème, vraiment, c'est l'endurance. Hein. C'est vraiment le souci. Hop. Hop là. J'avoue, pourquoi le petit guillemet Gavroche? Explique-nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Hop. Putain, j'espère qu'on y est bientôt, là. Étourdi. Ok. Ah, niveau supérieur. Ça fait plaisir à lire. Ça fait plaisir. Alors, où est-ce qu'on a une petite étincelle? Oh là, certainement pas ici. Car on ne veut pas mourir. Où est-ce que je vais, là? Ah, c'est bon. C'est là. Nickel. Ok, niveau supérieur. Est-ce que vous pensez que le boss, ça se trouve, c'est peut-être au niveau 10, je sais pas. Qu'est-ce qu'on s'ajoute? De la force encore? Moi, je dis force encore. On essaye, hein. On essaye. Est-ce que ça fait mieux ou pas? Eh ben, ça avance lentement de farmer quand même, hein. C'est pas évident, évident. Ah non, mais ça, c'est l'endroit où il se tape. Ils sont un peu débiles. Ah oui, je crois que ça enlève vachement plus de trucs, hein. Dans les sous, je joue Vitalité au début pour ne pas mourir trop vite face au boss. Tu penses que Vitalité, ouais, c'est bien? Moi, je pensais qu'au début, tout mettre dans la force, c'était une bonne idée, mais... C'est vrai qu'il faut, bouger vite aussi pour pouvoir s'enfuir rapidement, quoi. On va essayer d'atteindre le niveau 8 et on va voir si on s'en sort mieux.
Oui. Hop là! Ça, c'était pas mal, ça. Ça, c'était très très bien. Ok. Eh ben, c'était plutôt facile cet endroit. C'est bien, là, on voit quand même que c'est plus simple qu'au début. Oh là là. Quelle arme, quand même, hein. Franchement, quelle arme, hein. Ah, la strat, elle était bien, j'ai kiffé. Non, mais franchement, cette arme, elle est exceptionnelle quand même, hein. C'est la meilleure, hein. Je me remets là vite fait. Comme ça fait repopper les monstres. Aïe! La vitalité c'est cool, mais si tu fais 0 dégâts, le combat dure 12 heures. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça le problème aussi. Hein. Vraiment, le seul problème du marteau c'est cette endurance. Hein. C'est complètement le souci du marteau. Il faut vraiment que j'essaie d'utiliser le bouclier. Pourquoi je... Je voulais essayer d'utiliser le bouclier, j'ai pas vu que j'avais plus de vie. En fait, le bouclier, je suis nulle. Il faut vraiment que je m'entraîne au bouclier. On s'entraîne. Mais... Ah, faut plus bouger pour utiliser le bouclier? Mais... Non mais attendez, c'est une blague. En fait, il faut le faire avant. Attendez. Mais ça le fait pas? Je vous jure que ça le fait pas. C'est pas des blagues, hein. Bon. Pour éviter de mourir, on fait ça. Mais je pense que j'arrive pas à l'utiliser. En fait, faut pas laisser appuyer. Si je fais qu'une fois, qu'est-ce que ça fait? Ok, voilà. Ok. Ok, ok. Bouclier. Putain, pourtant là, je l'avais bien fait. Bon, ça marche quand même, hein, mais... C'est pas évident, quoi. Non, si, quand même, c'est pas mal, hein. Ça marche bien. Ah, zut, mes souls, du coup, que j'ai perdu. Merde. J'ai perdu des souls, là, non? Où mes souls perdus? Ah, ils sont là-haut, je crois. Ah oui, parce que faut pas que je les perde. Ah, ils sont là. Voilà. Merde. Ça va pas du tout. Pourtant, je l'ai fait une fois. Ça a pas marché. Ok. Prête pour Sekiro. Faudrait que je teste Sekiro et Dark Souls 3. Putain, ça marche pas du tout, cette histoire. Je vais totalement canner. Voilà. Allez, on essaye avec toi, bouclier. Ça marche pas du tout.
un truc de malade, comment j'arrive pas avec lui. En fait, avec lui particulièrement. Aïe. Et avec eux. Est-ce que ça marcherait mieux avec eux? Putain, ils viennent les trois en même temps, quoi. Oh, les réflexes inexistants. Les réflexes vraiment inexistants. Bon, on est bientôt au niveau supérieur, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, là il y a eux qui sont toujours très 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 relous. Est-ce qu'on peut essayer de se les faire? Aïe. Niveau supérieur, c'est bon, on y est. Tiens, il y a lui aussi. Déjà mon... Ah voilà, c'est là. La petite étincelle. Niveau supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de... On le met dans quoi? Est-ce qu'on le met dans vigueur ou bien est-ce qu'on le met dans vitalité? Peut-être vitalité, hein. Et dextérité, ça sert à quoi, tiens? Plus 30 d'endurance, vitesse de déplacement, plus 10. Ah, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Et dextérité, je sais pas à quoi ça sert. Allez, on met vitalité. Force et rien que force. Bah, la strat force, je sais pas. Hein. Peut-être que là, le prochain point, on met dans force. Moi, je dis le prochain point, force. Et après, peut-être qu'on est déjà pas mal. Hein. On est quand même mieux que tout à l'heure. Ah, t'as raison, dextérité, ça doit être quand j'utilise un arc. Aïe. Tu as tout à fait raison. Ah non, c'est pas là. Hop. Tiens, j'avais pas ouvert le truc là-bas. Comment ça se fait? Putain. Hop là. Salut Pyroboisier. Trop cool de te voir sur ce genre de jeu, même si c'est une pub, c'est fun. Mais oui, n'oubliez pas de cliquer d'ailleurs, s'il vous plaît, dans le lien qui est sur mon panel. Et également, qui est dispo avec la commande Void Souls. Vous savez que du coup, c'est un peu comme ça qu'on mesure. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien. Tiens, je vais essayer d'ouvrir ce passage qu'on n'a jamais ouvert finalement. J'ai cliqué trop bien, merci beaucoup. Salut Micha, bonsoir. Ah ça, je l'avais pas déverrouillé. Ah, bah ça sert à rien. Ah ok, c'est juste pour faire passer la barre ici. Ok. Et pour les empêcher de m'attaquer, mais bon, ça sert pas à grand chose. On se repose, on va repartir. Ils le disent pas dans le tuto, mais tu peux courir si tu restes appuyé sur le bouton après un dash. Ah bon? Ah oui, comme ça là. Il faut essayer de danser autour de lui, quoi. Comment est le jeu? J'avais vu passer, mais j'hésitais à le tester. Aïe.
te réponds juste après. Est-ce que la mécanique est redondante? Bah écoute, pour le moment, c'est très très bien. Moi j'aime bien le côté minimaliste et tout. C'est très... c'est Souls-like quoi. C'est vraiment... c'est très très dur. Là j'ai toujours pas réussi à battre le boss de fin. Enfin le boss de niveau, en tout cas pas le boss de fin. Donc là j'essaie de farmer un peu pour essayer d'avoir plus de... Bah un peu plus de points quoi. Donc on farme. Okay. 4080. À deux doigts de cramer. Ok. Effet d'ombre est très agréable. Mais oui. Non, non, franchement, c'est cool. Hein. C'est juste que j'aimerais bien voir un autre univers que la prison. Parce que pour le moment, comme je t'ai dit, j'ai pas réussi encore à battre le boss, quoi. Tout simplement. Mais bon, on va y arriver, hein. Franchement, ouais, le côté triangle géométrique, c'est vraiment intéressant. Et moi, j'aime bien aussi tout ce qui passe par des narrations qui sont pas forcément classiques. Donc je trouve ça cool aussi. D'autres types de narrations, quoi. Allez, hop, niveau supérieur, et on est pas mal là, hein. Je pense que le prochain point, on se le met en force. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un peu plus de vigueur, mais bon. Courageuse de jouer au marteau, c'est dur. Ah, tu trouves? Pour le moment, c'est l'arme qui me plaît le plus. Ok, niveau supérieur. On va se remettre un point en force. Et du coup, là, c'est quand même pas mal. Hein. Est-ce que vous pensez que je me remets encore un niveau? Peut-être en vitesse, je sais pas. Ah, les stats sont subtiles, oui, c'est vrai. Ah, maintenant, ça fait 42. Ce qui est bien. Ah, putain, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Allez, ils m'ont tué. Je suis restée à l'infini sur l'épée. C'est sympa de voir d'autres builds. Bah ouais, je comprends. Moi, j'avoue, c'est vraiment celui qui me plaît le plus. Hein. Hop là. On est à quel niveau, là, d'ailleurs? Niveau 9. Moi, je dis un petit niveau 10. Qu'en pensez-vous? Un petit niveau 10, c'est pas mal. Ah... C'est vrai que je suis toujours en manque d'endurance, on est d'accord. Moi je pense, ouais, petit niveau 10 et après on retente le boss. Un magnifique niveau 10. Oh, on est bien là. On est pas mal du tout. Viens là toi. Hop là. Hop. C'est bien que le jeu ait des zones cachées, mais il te dit s'il y a des trucs à trouver. Oui, ça c'est trop bien. J'avoue, c'est très cool ça. J'ai tapé dans le vide maintenant. Putain, je tape complètement dans le vide et je me fais défoncer. Génial. Viens là. Hop.
Allez, on referme encore un peu. Je sais pas pourquoi ils ont une fixette sur ce machin à détruire avant de venir m'attaquer. Ah, ça le repousse quand je tape, c'est pas mal. Ok, on va aller chercher le grand là-bas. Ah non, eux on peut plus, c'est vrai. Peut-être que j'aurais pas dû les enfermer comme ça. Sinon, on va passer par ici. Voilà. Combien il nous en reste encore là? Là-bas, je vois qu'il y en a plein à taper. Ici, c'est notre fameuse strat. La strat discrète. Pas discrète. Eh ben, on y est bientôt. Comment je fais? Ah oui, je vais me mettre là. Je vais les relancer. Nickel. Oui, la barre d'XP, on la voit. Alors, je pense que vous avez ma cam qui est dessus. À mon avis, vous avez la cam. Elle est en bas à gauche. C'est bien, maintenant ça les étourdit vite. Hein. Ben voilà, on est bientôt au niveau 10. On se fait cam de la barre d'XP, c'est vrai. Oh putain, mais franchement, le marteau il est génial. Hein. Non mais. Et après, on me demande pourquoi je prends le marteau quoi. Ok, on est niveau 10. On met dans quoi? Force, vigueur, vitesse, peut-être vitesse. Hein. Force, ça rajoute 0,9. Vitesse, ça rajoute plus 10. Qu'est-ce qu'on met? Salut, bus magique, bienvenue. Perso, perd toute mon endurance à chaque coup de marteau, ça me rend des zinzins. Ouais, je comprends. Le stream est sponso par le lobby des marteleurs. On se met un peu de vitesse, peut-être. Et en même temps, force, ça tape fort et c'est bien. Hein. En vrai... Vigueur, ça ajoute plus 7 points. Ouais, pourquoi pas, vigueur aussi, hein. Putain, je sais pas. Tout à l'heure, on avait mis dans quoi? Je crois qu'on avait mis vitesse. Non, on avait mis force. Ah, je peux me rajouter un peu de vitesse. Allez, on met vitesse. J'ai décidé qu'on mettait vitesse. Alors, il faut qu'on retourne là-bas. Repose là, comme ça il va nous ramener ici. Nickel. On réessaye le boss, on croise les doigts. Allez. Bon, on a farmé cette fois-ci. J'espère que ça va le faire. Donc c'est un hachoir hein, qu'il utilise. Aïe.
Ah putain, il y a les petits là, ça y est. Ça c'est très relou. On essaie de s'éloigner au max pour juste les avoir eux. Allez, venez là. Viens là, toi. C'est relou, hein. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant. Allez, viens là. Ok, c'est bon. Et en plus, on a eu une potion. C'est quoi ça? Non! J'aurais dû taper. Merde. Putain. Ah là 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 là. Garder son calme. Garder son calme. Allez, viens le petit là. Thank you.
Putain, j'ai un BPM à 200. Merci pour les GG. J'ai un BPM à 200, vous savez, en plus, vous savez, vous connaissez mon BPM. Mais j'ai enfin réussi. Oui. Merci, merci pour les GG, c'était magnifique. J'avoue, j'ai bien fait de farmer, merci beaucoup à la personne qui a dit « Mais farm en fait !» Car j'avais complètement zappé qu'on pouvait farmer. Cours de la prison! Putain, ça y est, on est sorti quoi, mais c'est incroyable! Par contre, putain, merci. Hein. Ah non, mais 200, j'exagère même pas, je vous jure, c'est vraiment à 200 là. En fait, le marteau, c'est vraiment mon arme. Allez, j'ai une étincelle. On se repose. Oh putain, franchement, ça fait plaisir. Hein. Oh, allez, niveau 11, on met tout en force. Nickel. Oh, je vous jure que je me sens cardiaquement mal. De manière cardiaque, mal. C'est quand même terrible. On prend le coffre. Ou un verre d'eau. Ah oui, j'avoue. J'ai un objet consommable. Vous savez quoi? Je pense qu'après tout ça, on va faire Isaac. Hein. Un petit matcha. Non, c'est pire. Le matcha, c'est pire. Ça rajoute... Oh là. C'est un truc électrique. Le matcha, ça rajoute de l'excitation au cœur. Oh là là, j'ai cru que j'allais canner. Vraiment, quoi. Ça me fait les mêmes effets que... Elden Ring. C'est terrible quand même. J'ai encore un objet. Carte. Putain, trop bien, ça y est, j'ai la carte. Nickel. C'est qu'on est parti pour un moment. Eh, peut-être, hein. Donc là, on est dans la neige, on est dehors. Putain, ça, j'avais pas allumé. Oh! Comment je fais pour taper ça, moi? Immuniser. Il faudrait trouver de la chaleur. Ouais, il faudrait rallumer le fourneau. Petit café pour calmer le BPM. Vous voulez que je meure, en fait. Putain, je suis contente d'avoir réussi, là. Ça fait plaisir, quand même. Franchement, le jeu est très agréable, vraiment. Je rigole pas. Objet consommable non attribué. Voulez-vous continuer à avancer? Comment ça? Ah, je peux l'équiper. Païtolite. Trop bien. Et la musique était très cool aussi, pendant le combat. Ah, je n'ai pas cette clé. Encore un objet. Pythonite. Donc du coup, RT pour lancer. Oh, il y a des chiens. Oh putain. Pourquoi ils vont vite? Oh, il est pris au piège. Ah, les chiens, ils m'ont fait peur. On allume tout ce qu'on peut comme lumière. Hein. Ouais, ouais, le design géométrique marche bien et comme je disais, je trouve ça cool en fait que des narrations passent par autre chose. Ah, j'ai une torche. Est-ce que ça peut pas nous servir, ça? Dans les fourneaux, là. C'est où d'ailleurs les fourneaux? Ah, c'est là.
Est-ce que je pourrais pas utiliser ma torche ici? Ou genre là? Comment je fais par contre pour l'équiper? Ah, je l'ai pas équipé! Ah si, peut-être faut que je pousse le cube de glace. C'est vrai que je pourrais le faire bouger finalement. Ah bah ouais. Par contre, faut l'amener où? Ah, je suis pas sûre que ça passe dans le couloir. Est-ce que ça passe? Oh putain, l'enfer. Est-ce que ça... Non, j'ai l'impression que ça passe pas. Non, non, il faudrait... À mon avis, faut allumer ici. Je pense que ça passe pas. Hein. Et alors, c'était où pour l'amener, là? Non, non, ça passe pas, c'est sûr. Ah oui, là, j'ai oublié qu'il y avait encore un élément. En fait, c'est ici que je dois l'équiper. Objet. Torche. Paillotine, on va le mettre là. Est-ce que ça pourrait marcher la torche? Genre si j'envoie ça là. Par contre, RT. Ah, ça marche! Allez, ça a marché. Ok, j'ai la clé. Et alors, le portail, par contre, il est où? Ah, il est tout en bas. Là, on est à la tour de guet. Je pense qu'il faut passer par là. Je vais... Non, c'est pas la peine de se reposer. C'est là. L'ambiance est cool. Une petite... on dirait une étable un peu ça. Je sais pas si j'ai la carte d'ici. Oh là. Oh trop bien, on est dans la forêt. Waouh. Ah merde, je suis pris au piège de ouf là. Vas-y, viens. Peut-être qu'il me faudrait des armes à distance. Ok, c'est bon. Waouh. C'est bon, j'ai envie d'y jouer. Alors, sachez qu'on va faire gagner des clés. Ah bah tiens, là, on peut peut-être lancer... Je sais pas s'il y a des modos qui sont là. Est-ce qu'on peut lancer, s'il vous plaît, le concours? On va faire gagner 5 clés. On va faire gagner 5 clés. Voilà. Et puis après, il y aura 5 autres clés à gagner sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à checker le compte Twitter. Donc, si jamais vous pouvez faire le... Ah ben voilà, le concours est fait. Donc, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à activer la commande Enter. Et on choisira au sort, bien sûr, 5 gagnants et gagnantes pour avoir des clés de jeu. Sachant que les autres seront sur Twitter. Franchement, le jeu est cool, hein, vraiment. Duchesse n'est jamais partie, c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir lancé le concours. Et en attendant, bah, n'hésitez pas à follow... Oh là. Oh putain. N'hésitez pas à follow la chaîne et à activer la commande. Putain, c'est bon, je l'ai eu. N'hésitez pas à activer la commande aussi, Void Souls, comme ça vous voyez sur Steam à quoi ressemble le jeu. La plante des enfers. Ah ouais, elle était vénère celle-là. Waouh. Putain, il y a plein de trucs. Donc ça, c'est verrouillé, il y a la clé de la cabane. Et ça aussi, c'est pas possible d'y aller pour le moment. Et wishlister, exactement, ça aide les devs. C'est vrai, complètement.
putain, je les ai pas vus, eux. Oh, oh putain, ils m'ont oblitéré, quoi. Alors là, on peut dire oblitéré. Ils m'ont bien nu. Ah, on s'est fait grave embusquer, là. Hein. Allez. J'ai tout évité. Ah. Immunisé ? What ? Ok, c'est bon. Cabane au bord de l'eau. Ok. Ah ouais, le petit guet-apens. Hein. Donc n'hésitez pas à activer la commande Enter, comme ça vous pouvez être choisi au sort, en tirage au sort, pour pouvoir gagner 5 clés de jeu sur Steam. Putain, mais je refais la même chose, je suis débile en fait. C'est un truc de malade quand même. Je suis retournée exactement au même endroit. C'est pas possible ça quand même. Mais elle aussi elle me gave en fait là. Le game design est trop trop cool, ouais. Surtout là je suis contente qu'on puisse voir aussi d'autres endroits. Parce qu'on était bloqué là un peu dans la prison. Mais ouais, là je suis plutôt contente. Alors vous êtes où là? Bah ils sont où? Ah ils sont là. Allez venez. Tiens, il y en a un qui a été pris au piège. Ah merde! Allez hop! Avec mon marteau, je peux vous dire que... Voilà! Franchement, le marteau, il est génial. Hein. Le marteau est top. C'est quoi, ça? C'est marrant, là, ça se complexifie. Il y a plein d'endroits différents. Aïe! Putain, il va vite, lui. Allez, viens là, toi. Oh, putain. On prend cher, on prend cher. On a pris cher, là. Hein. Là, il faudrait que je batte 4,5 pour avoir une potion. Sauf qu'on est mal, hein. Un petit feu de camp ne serait pas de refus, en effet. Ah! Un objet. Carte de la forêt, comme ça. Hop, on fait ça et je pense qu'on va revenir au feu de camp. Tant pis, on va devoir se retaper tout, mais bon. Mais oui, c'est trop bien qu'on arrive à y croire avec les formes géométriques. Franchement, c'est cool, hein. Je me suis quand même fait prendre au piège. Du coup là, ça va, on peut éviter ceux qui sont en bas. La forêt est trop bien. J'aime bien cet endroit, même si c'est beaucoup plus dur de voir ce qu'on fait. Mais quand même. Oh putain, il fait froid là. Montagne. Attends, je sais pas si on a envie d'aller dans la montagne tout de suite. Moi, j'aime bien être dans la forêt. En tout cas, on peut accéder à la montagne facilement. Village. Oh. Alors, déjà, il y a un petit feu. Je peux rentrer là-dedans? Ah oui. Alors ça, ça fait plaisir. Éclat de sol. Amélioration permanente. Trop bien. Alors, est-ce que vous avez fini de participer pour le tirage au sort? Ou alors, est-ce qu'il y en a encore qui participent? T-
Putain, je sens qu'il va y avoir une sacrée embuscade ici. Ah, le loot fait plaisir. Hein. C'est très 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 plaisir. Alors attendez, je regarde si ça participe encore. J'ai l'impression que vous avez bien participé, à mon avis. N'hésitez pas si vous avez envie de participer encore. On va bientôt faire le tirage au sort. Il y a 5 clés à gagner. Ah bah voilà. Putain, on va se reposer ici, c'est nickel. J'ai pas augmenté de niveau par contre. Éclat de sol, comment je peux l'utiliser? Ah, c'est 1 sur 6. Carte du village. Ah, c'est cool, hein. Donc là, on vient de là. Ce serait pas mal de trouver la clé de la cabane. Ah, c'est très bien, je vois qu'il y en a qui participent encore. N'hésitez pas à participer au tirage au sort. N'hésitez surtout pas. Le tirage va bientôt se faire. Et en attendant, bien sûr, vous pouvez également follow la chaîne pour être au courant de tous les lives, ainsi que activer la commande Void Souls, parce que c'est une collaboration commerciale. Et qu'il faut cliquer sur le petit lien, s'il vous plaît. Oh putain, on peut rentrer dans les maisons, ça c'est trop bien. Activé. Quoi ? C'est un ascenseur ? Oh putain, c'est trop bien ça. Ah non, mais c'est génial ! Oh ! Pain rassis ? Mais c'est quoi ce truc ? Ça donne sur le vide ? Oh putain, c'est super beau. C'est quoi ça? Non mais c'est très très beau! Ce passage secret là! Waouh! Ah, le jeu c'est même éditeur que Hauser! Bah je savais même pas. Speedrun... C'est des trophées ça! Speedrun de la démo, c'est les gens qui ont speedrun les démos. C'est le hall des héros. Putain, c'est drôle. Ah ouais, miam, le pain rassis au fond du puits. C'est clair. Incroyable ce pain rassis. Et bien écoutez, on va pouvoir tirer au sort. Nous allons pouvoir faire le tirage au sort. Tiens, je me remets dans le village. Nickel. Alors il faut tirer 5 personnes au sort, s'il vous plaît. Si possible, de gens qui sont présents. Et je vous enverrai les clés en chuchotement Twitch. Donc il faut que vos chuchotements soient ouverts. Et bien voilà, bravo à Yoa, Premier, Zelgato, Monsoyeux, Gépif et Gunner SF. Bravo à vous, vous avez gagné. Alors je me note juste les noms. Après je crois que la gentille team de modération me met les noms généralement dans le Discord. Si jamais vous pouvez faire ça, c'est trop bien. Comme ça je pourrais vous envoyer les clés. Eh bien bravo! 100% j'étais la 6e clé. non mais je ferai un petit tirage au sort sur Twitter, donc n'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux. Je lancerai le concours franchement là ce soir. Comme ça vous pourrez participer. Et pareil, je vous enverrai une clé Steam. Obligé d'acheter le jeu. Et en attendant, n'hésitez pas à mettre le jeu en wishlist et à cliquer sur la commande Void Souls. Mais GG aux gagnants et aux gagnantes. Bravo à vous. Twitter, c'est plus jamais pour moi. Oh no! 100% j'étais dans les 228 premiers. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous. Ça va être la fin du stream. C'était très cool, cette OP. Belle découverte de jeu. Très dur, mais Souls-like, on aime, bien entendu, bien évidemment. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment.